Les hauts, oh, c'est bien fait ça de la part de Zidane. Et il va la récupérer voilà. À nouveau. Voilà, bon centre ouais. Et deuxième corner. Oui, je vous disais qu'il y aurait donc cette... Ouais. Mais voilà le ballon de contre pour Vicente Lizarazu. Zidane qui est revenu très loin chercher ce ballon. Ouais. Et... Deuxième geste technique de Zidane qui va faire plaisir à Georgius de Valbonne qui est un inconditionnel de Zizou. Oubliable demi-finale France-Allemagne lors du Mondial 82, vous vous souvenez? Avant la prolongation, vous répondez par SMS en envoyant foot au 5-13-13 ou par téléphone au 32-81, un chèque de 2000 euros est à gagner, le nom du gagnant et la réponse bien sûr à la fin du match. J'ai l'occasion de saluer l'ami Patrick Battiston. Ah bien sûr, grande pensée pour Patrick Battiston. Zidane et la tête de Thierry Henry encore. Et je crois qu'il a voulu remettre pour Trezeguet. Sylvestre, Zidane. Ouf. Dans un tout petit périmètre. Lizarazu, Zidane. Ah oui, c'est bien fait ça. Quelle belle pégée. Kelele pour ouais. Zidane, reste c'est là, superbe. Reste là, mi-ballon, reste là. Henry, Zidane. Sylvestre vers Henry. Oh, ah, oui. Oh là là, oh, oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire ah, il super. Va aller au but. Trezeguet est au second poteau. Et but. Et voilà, ça s'est bien joué. Oh, quelle action. Oh, quelle action superbe de Thierry Henry. Superbe action de Thierry Henry. Oh. Terminé par David Trezeguet. Une pure merveille. Minute. Oh là 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 là, que c'est beau mon Dieu, que c'est beau. Quand on est capable de faire ça, Thierry Henry. Bravo, bravo messieurs. On l'a senti, mais c'était aussi clair que le nez au milieu de la figure. À partir du moment où il avait réussi cet enchaînement exceptionnel. Amorti de la poitrine. Et il entraîne le ballon avec son coup de pied. La suite, regardez Trezeguet, tête baissée. Il ralentit sa course pour ne pas être hors jeu entre les deux adversaires. Un chapeau, pur hein. Chef-d'œuvre. Bravo, ah ouais. Messieurs. Regardez, sur la relance, il va cacher le ballon un peu comme un lanceur de javelot prend du retard. Il va le mettre complètement sur son pied gauche. Voilà. Et là, Jérémy ne peut jamais attraper le ballon. Et loin de nous l'idée de dire que ce n'est pas un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Attention, et but. C'est un très très bon joueur, but mais pour l'instant... Trezeguet. Eh bien, il n'a peut-être pas encore le niveau de Zidane. But de Trezeguet sur une passe de Zidane. Et que, bah, quand on veut prendre la place d'un titulaire, il ne faut pas être légal, il faut être supérieur. Et là, pour être supérieur à Zidane... Il faut être vraiment très fort, une passe distillée et un. Et le 28e but de David Trezeguet. Avec un Oliver Kahn pris à contre-pied et 1 et 2 et 3-0. Il se rapproche de Papin. Hein. Dans les buteurs français. Avec deux buts d'avance. Là, je pense que vous pouvez. Oh là là. Oh là là. Zidane. Voilà. Ça n'est pas perdu. Vous voulez que je vous raconte une anecdote sur les Allemagne-France, Vincent? Marcel Aubourg dans les buts. Et à Berlin. À Berlin.